Malgré son intention de promouvoir sa nouvelle pièce, Annick Cojan, Anne Pario, dans son apparition du samedi 20 avril sur Quelle Époque, s'est rapidement trouvée confrontée à une série de questions concernant Alain Delon. Cette situation découle de l'habitude de Léa Salamé de pousser ses invités à se livrer et à dévoiler leurs pensées les plus profondes. Il convient de mentionner qu'Anne Pario a partagé sa vie avec Alain Delon de 1980 à 1986. Naturellement, cette relation amoureuse a suscité l'intérêt de la journaliste. Étant donné que l'acteur est au centre d'une controverse concernant son état de santé et les tensions au sein de sa famille, tous en proie à des conflits. Interrogé sur son point de vue concernant la fin de vie d'Alain Delon et les dissensions au sein de sa famille, la journaliste a demandé à l'actrice « Quel est votre regard sur la fin de vie d'Alain Delon et sur cette famille qui se déchire ?» Anne Pario a répondu de manière franche « Je suis évidemment attristée », a-t-elle commencé par confier. Et en même temps, il est difficile d'admettre, mais les parents sont les premiers architectes de la personnalité de leurs enfants. Il est probable que si ses enfants adoptent de tels comportements, Alain Delon a également une part de responsabilité. Il est envisageable qu'une influence excessive sur ses enfants ait généré des réactions de rébellion, de colère et d'injustice. Ces dynamiques pourraient ainsi être le résultat de cette dynamique. En effet, depuis plusieurs mois, les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, se livrent à des querelles publiques, s'accusant mutuellement de ne pas prendre correctement soin de leur père. Ce dernier, affaibli et, selon la décision du tribunal de Montargis imposant un régime de curatelle renforcée, incapable de prendre des décisions éclairées, semble être au centre de ces tensions.